La candidose orale est la conséquence de la prolifération excessive du champignon Candida albicans dans la bouche. Découvrez ici quelques remèdes naturels pour contrôler les symptômes de cette infection. Il existe une large gamme de remèdes pour la candidose orale pouvant être préparés à partir d'ingrédients naturels. Même si dans de nombreux cas, un traitement médical est requis, les cas les plus légers de la maladie peuvent être soulagés grâce à des préparations maison. Cette infection est généralement la conséquence de la croissance excessive du champignon Candida albicans. Ce micro-organisme vit normalement en petite quantité dans la cavité orale sans causer de dommages. Mais lorsqu'il prolifère de manière démesurée, il provoque l'apparition de problèmes. Parmi les symptômes de la candidose orale, figurent les protubérances blanches à l'aspect crémeux au niveau de certaines zones, notamment la langue et l'intérieur des joues. Un mauvais goût dans la bouche et une difficulté à avaler sont d'autres symptômes pouvant accompagner ces protubérances blanches. Dans la suite de cet article, découvrez plusieurs alternatives pour combattre la candidose orale. 5 remèdes pour traiter la candidose orale, que vous devez tester. Comme commenté précédemment, la candidose orale est une infection causée par l'accumulation du champignon Candida albicans au niveau du revêtement de la bouche. Cette infection peut affecter toute personne, mais les personnes les plus concernées sont généralement les enfants et les personnes du troisième âge. Heureusement, il est possible de combattre cette infection de manière naturelle. Bien que ces solutions ne remplacent pas les médicaments antifongiques conseillés par les médecins, elles constituent tout de même de bons compléments pour pallier les symptômes de l'infection. Et pour les cas les plus légers, ces solutions peuvent même suffire. Prenez des notes. 1. Le bicarbonate de sodium, un allié à l'heure de traiter une candidose orale. Un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium est l'un des remèdes les plus efficaces pour lutter contre la candidose orale. Cette solution possède les propriétés désinfectantes et antifongiques qui aident à neutraliser l'action du champignon Candida albicans. Comment l'utiliser ? Tout d'abord, dissolvez 1-2 petites cuillères de bicarbonate de sodium dans une tasse d'eau tiède. Faites ensuite des gargarismes avec le liquide obtenu pendant 2 minutes. Crachez le liquide. Faites cela 2 fois par jour jusqu'à observer une amélioration. 2. Le yaourt nature, l'un des meilleurs remèdes pour traiter la candidose orale n'est ni plus ni moins que le yaourt nature grâce à ses probiotiques. Cette culture de bonnes bactéries influe positivement sur le contrôle de la prolifération du micro-organisme responsable de la candidose orale. De plus, il aide à rétablir l'équilibre des bactéries saines de la bouche. 3. Le jus de citron nombreuse sont les propriétés médicinales attribuées au jus de citron. Son effet antiseptique et son effet antifongique se démarquent. C'est pourquoi il s'agit d'un bon allié pour lutter contre la candidose orale et ses symptômes. Comment l'utiliser ? Vous avez 2 options. Mélangez un peu de jus de citron avec de l'eau et utilisez ce mélange en tant que bain de bouche 3 fois par jour. Préparez une infusion à base de jus de citron et buvez-la de préférence à jeun. 4. Le curcuma. Le curcuma ne cesse de nous surprendre tant ses usages médicinaux sont nombreux. Nous souhaitions ici le mettre en avant en tant que solution contre la candidose orale pour accélérer la guérison. Selon les recherches, la curcumine a un effet antifongique et aide ainsi à combattre différents types de candida. Comment l'utiliser ? Tout d'abord, faites chauffer une tasse d'eau. Lorsque l'eau bout, ajoutez 1-2 petites cuillères de curcuma. Si vous le souhaitez, ajoutez une pincée de poivre noir. Buvez ce remède par petites gorgées 2 fois par jour jusqu'à observer une amélioration. 5. L'huile essentielle d'origan. L'huile essentielle d'origan contient des composés antimicrobiens et antifongiques. Nombreux sont les traitements alternatifs ayant tiré parti des qualités de cette huile. Et bien entendu, il s'agit également d'un remède efficace pour minimiser les symptômes de la candidose orale. Comment l'utiliser ? Versez 2 gouttes d'huile essentielle d'origan dans un verre d'eau tiède. Faites des gargarismes pendant 2 minutes. Crachez les restes. Faites cela 2 fois par jour. Attention, il ne faut pas ingérer les huiles essentielles sous aucun prétexte. De plus, l'idéal est de les diluer dans de l'eau, car elles peuvent être agressives. Suivez les indications.